Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. On espère que tout va bien se passer cette fois-ci. Je suis en tenue d'Alice, mais vraiment retravaillée à ma sauce pour le coup. En fait j'avais prévu un cosplay et j'ai découvert sur place qu'en fait on pouvait pas venir habiller comme ça. Surtout en étant blonde aux yeux bleus, je risque de passer pour le personnage. Donc du coup je vais éviter de prendre le risque. Donc j'ai une petite chemise que j'ai achetée ici. Et après bah, j'ai mes accessoires Alice classique. Donc si vous me voyez un peu au bout de ma vie, c'est normal. Hier il m'est encore arrivé un truc assez improbable à l'hôtel qui m'a fait complètement paniquer. Ne vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Je suis en train d'arriver à Tokyo Disneyland pour une troisième journée. Allez, on y va. Là, mon premier objectif de la journée, c'est de voir le spectacle Once Dream, Walt Disney Once Dream, je ne sais plus exactement le nom, je vous mettrai ça juste ici. Et donc pour la première représentation, il n'y a pas de loterie, mais je vais quand même tenter de voir si je peux pas l'avoir pour un autre moment de la journée. Donc je teste et après je me mets dans la queue. Si jamais vous êtes déjà parti à Tokyo Disneyland ou à Tokyo Disney Sea et que vous avez gagné à la loterie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse de savoir si je suis la seule poissarde ou si ça arrive à tout le monde. C'est quand même le troisième jour et toujours rien. Bon tant pis, je vais aller faire la queue comme tout le monde, allez. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai à peu près 1h20 d'avance. Et voilà le monde qui attend déjà. Je voulais également vous dire, la Pixie Army, qu'il va y avoir des concours tout le mois de décembre puisque nous sommes le mois de Noël. Et du coup pour ce concours je vous fais gagner cette petite peluche trop chou sur le thème d'Alice. Donc rendez-vous dans la barre d'infos pour en savoir plus. Bon, la Pixie Army, me voici actuellement dans le théâtre. Je suis au 4e rang, donc j'ai l'air d'être plutôt bien placée en face de la salle. Il y a vraiment beaucoup de shows, beaucoup de spectacles, beaucoup de personnages présents. Donc je trouve ça plutôt cool, personnages qui sont pas spécialement représentés en France. Je pense notamment à Mille et une pattes quand même, qui a été une belle surprise. J'étais trop contente de voir Frollo. Et c'est très drôle parce qu'en fait si vous regardez bien, les méchants et certains visages ne sont pas les mêmes que ceux qu'on connaît à Disneyland Paris. Donc c'est très très drôle, j'ai beaucoup aimé. Après le show est un petit peu vide à certains moments, il est pas non plus oufissime, oufissime, mais je pense qu'il vaut quand même le coup d'être vu au moins une fois. Donc si jamais vous êtes intéressé, surtout ne le manquez pas. Bon, ma Pixie Army,
j'ai très très peu de souvenirs. Toontown, c'est terminé. Allons nous promener dans le reste du parc. Je sais pas encore quel est mon objectif. J'ai bien envie de tester les parties que j'ai pas encore vraiment visitées du parc. La Pixie Army, je suis en train de capter qu'en fait je suis déjà venue ici parce que lundi soir c'est là que j'ai enfin trouvé quelque chose à manger. Donc je suis ravie, je vais pouvoir me nourrir, oui. Si jamais vous voulez manger la même chose que moi, ce que je vais vous montrer là juste après, en fait il faut passer devant le petit tunnel qui est en face de Splash Mountain et vous avez tout un stand en fait au fond, regardez. Donc en fait cet espace est un peu un coin paumé perdu. Donc juste derrière vous avez la photolocation pour récupérer les photos de Splash Mountain. Et là où en fait je me trouve s'appelle le Raccoon Saloon. Et vous avez un tortilla avec une saucisse et du fromage. Et du jus de fruits qui ressemble plus à de l'oasis que du jus de fruits hein. Et il se trouve que ce n'est pas très cher et que bah, ça me remplit bien le ventre. Donc voilà, Tata Pixie Koh Lanta a enfin trouvé quelque chose à manger. Kirin Orange qui ressemble beaucoup à de l'oasis mais j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très très bon, bon très chimique mais très bon. Et alors j'en ai déjà mangé un parce que je crevais la dalle. Et là du coup vous avez le deuxième tortilla, vous voyez, donc c'est dans une saucisse et il y a du fromage. Et tout ça, ça m'a coûté 1070 yens, soit à peu près 10 euros.
une petite place concrétée. C'était pas la meilleure, mais j'ai quand même réussi à vous faire de belles images des chars parce que je les voyais arriver à chaque fois. Pour les photos, c'est un peu plus moyen. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'attraction Mini Zippo, puisque de ce qu'on m'a dit, c'est la même que Walt Disney World, mais en mieux. Donc je vais la tenter. Là, il n'y a que 50 minutes d'attente, sachant que c'est une attraction qui est extrêmement populaire ici. Donc je pense que c'est le moment ou jamais. Bon bah la Pixie Army, je crois que j'ai choisi le meilleur moment pour aller faire la queue pour venir regarder le monde qu'il y a, c'est impressionnant. Quand je vous disais que c'était une attraction qui était extrêmement populaire ici, c'est impressionnant. Alors déjà la queue, on va pas se mentir, on est sur un autre niveau. Hein. D'avoir des petits jeux et tout. Ici, l'extérieur est pas terrible, par contre l'intérieur est absolument magnifique avec les grandes pages que vous pouvez lire. Il y a également la chambre de Jean-Christophe qui vient de passer. Ça, je trouve ça pas mal. Après, à voir à l'intérieur du coup le ride en lui-même, ce que ça donne. Et pour l'instant, je suis un peu plus séduite par la file d'attente japonaise, je dirais, puisque les jeux, je les ai pas fait. Donc, en tant qu'adulte, je préfère celle-ci. Alors oui, certes, hein, je vais pas vous mentir, c'est effectivement à peu près la même trame que l'attraction à Walt Disney World, mais la réalisation est totalement différente. Vous avez des chars qui fonctionnent de la même façon que Ratatouille, avec la même technologie, donc c'est hyper immersif, ça tourne, c'est assez long, et surtout c'est pas juste des petites pages en fait. Tout est hyper interactif, ultra coloré, tout. Enfin, énorme coup de cœur pour cette attraction. Présent, je me trouve devant le château de Cendrillon pour faire une attraction qui est à l'intérieur du château et où en fait on voit tout l'intérieur du château de Cendrillon, etc. Il y a 15 minutes de queue seulement, donc hâte de découvrir. La parade de 3
3h a été décalée, c'est parce que la parade de Noël arrive à 3h30. Donc comme je viens de la prendre, du coup je viens de me poser, j'ai plutôt une bonne place. Et j'ai hâte de voir ça. Ça commence avec 24 heures d'avance. Je suis trop contente. Trop contente, ça veut dire que ça me laissera au moins une chance de peut-être la revoir avant mon départ. Salut aussi. ミニ、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 ミニ
Pixie Army, je suis actuellement du côté d'Adventureland et je vais essayer de faire l'attraction avec Stitch, qui est l'attraction Enchanted Tiki Room mais version Stitch, qui est unique ici. Je suppose que vu qu'il y a Stitch, elle a été refaite récemment. Après, c'est vrai que du coup on perd l'esprit de l'attraction originelle imaginée par Walt Disney. Mais je la trouve quand même beaucoup plus dynamique, les chansons sont beaucoup mieux, il n'y a pas photo. À présent la Pixie Army, c'est parti pour rider une nouvelle fois Monstres et compagnie, et j'ai un fast-pass pour la même heure que lundi, vraiment à la minute près, donc c'est très drôle. Oh, trop bien! Avoir ride une nouvelle fois Monstres et compagnie, je suis en place pour la parade nocturne. Je sais pas si c'est la parade de Noël ou la parade normale, mais en tout cas je suis bien placée. Je vais vous prendre quelques images, mais vu que je vous ai déjà montré lundi, je vais surtout faire des belles photos.
Garmi, je me sens mais bernée à un point, vous avez pas idée. C'est à dire que cette parade est très bien, elle est magnifique, mais c'est pas une parade de Noël en fait. C'est à dire qu'il suffit pas de mettre des manches longues aux personnages et de mettre de la musique de Noël en fond pour que ce soit une parade de Noël. Y a rien qu'à changer en fait quasiment. Donc c'était la parade de l'arnaque, très jolie, mais du coup je pense que je n'irai pas la revoir pour la simple et bonne raison qu'il me reste donc du coup deux soirs et que j'ai vu aucun spectacle à Disney, donc ce sera l'occasion. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez préféré et à vous abonner pour rejoindre la Pixie Army si ce n'est toujours pas fait. Et en attendant la prochaine vidéo, ma Pixie Army, prenez soin de vous, je vous aime plus que tout. Bisous, bisous, bisous.